Et c'est comme ça qu'on rattrape la bourde qu'on a fait au précédent épisode. Salut tout le monde, c'est Rain, toujours Stalker, on est sur l'épisode 3, toujours en l'enregistrement en différé parce que je suis toujours un connard, mais vous en faites pas, il me reste exactement... Alors, attendez, je vous dis ça sur mon truc de... Il reste 15 minutes à entendre ma voix avant qu'on retrouve le direct. Donc c'est bientôt fini, vous en faites pas. Donc là on est lundi, donc je suis censé poster ça aujourd'hui. Donc en fait la dernière fois je voulais pas genre re-enregistrer parce que bah je savais pas trop quoi dire déjà dans l'épisode 2, donc c'est pour ça que j'ai voulu attendre un peu. Alors là faut savoir déjà Edin, bah en fait je me suis approché calmement et il s'avère qu'on peut se tutoyer le garde pour passer. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai perdu 500 roupies, donc bon. Tant pis, mais au moins comme ça on se fait pas mitrailler le cul par trois gardes armés de calaches. Et au moins on peut passer en vie. Donc là voilà, nous voilà de l'autre côté. Et en vie cette fois. Donc ce qui est bien, c'est que du coup là j'ai grâce à DaVinci Resolve, j'ai pu genre faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire de. C'est-à-dire voilà de vraiment genre accélérer le tout pour du coup. Du coup, bah, montrer que j'ai dû tout me retaper, ça a pris au moins une demi-heure, je crois, de tout me retaper. Et ouais, je me retape toutes les quêtes que j'ai fait jusque-là. Fait que je me retape du coup la vente de tout ce que j'avais vendu. Fait que je me retape du coup bah, tout ce que j'avais trouvé, tous les trucs cachés que j'avais trouvé, etc. Bref, ce jeu, genre. Et alors là, du coup, j'ai un peu le seum parce que du coup, je me rends compte qu'en fait, il y a un moyen de passer gratuitement. Donc j'ai un peu la haine. En plus, ici, c'est un petit peu la zone à radiation et anomalie. Donc il va falloir que je fasse extrêmement gaffe. Donc oui, j'ai dû tout me retaper. Et en fait ce jeu est extrêmement punitif. C'est dingue comment genre le jeu n'a pas d'autosave et genre c'est la première fois dans un jeu où en fait je regrette mes autosaves. C'est-à-dire que genre vraiment en fait j'ai pas cette habitude de save. En fait déjà de base j'ai pas comment dire. J'ai plus vraiment cette habitude de jouer on va dire à des jeux comme ça donc faut vraiment que je reprenne d'habitude parce que là en fait genre, ça m'est arrivé une autre fois et c'est vraiment emmerdant, en plus de ça c'est frustrant. Alors là du coup je me rends compte que je me suis approché genre beaucoup trop près d'une zone de radiation et du coup vous pouvez voir que bah ma radiation elle est au max de chez max et ma vie elle descend à elle descend à mort. Bon, là j'ai. Il s'agirait de pas me voir mourir, Kevin, lol. Ah, mes allergies, elles sont en pleine forme en ce moment. Alors, un truc qui est débile dans ce jeu, c'est que, genre, boire de la vodka, en fait, nous en... enfin, descend notre radiation. Donc, mais le problème, c'est qu'après, on est bourré. Donc là du coup je vais quand même charger la sauvegarde parce que du coup je vais me dire mais PTDR en fait j'ai niqué quand même trop de ressources pour réparer ma connerie. Je peux juste genre éviter la zone plutôt que de faire l'idiot comme ça. Donc je vais littéralement charger ma sauvegarde et comme ça je vais juste... Voilà, là c'est à partir de ce moment là. Alors
Du coup, j'ai déjà une chose à dire par rapport à mes streams et surtout par rapport à Stalker. En fait, c'est que j'ai été sur ce site là, je sais plus, enfin le site qui dit la durée de vie d'un jeu concrètement. Et je me suis rendu compte en fait, moi je pensais de base que Stalker, genre là celui-là, donc Shadow of Chernobyl, c'est vraiment le plus gros, et que Clear Sky et Call of Pripyat servaient un petit peu d'expansion pack, c'est-à-dire c'était des jeux à part, certes, un petit peu comme The Old Blood et The New Order, ou Young Blood et The New Colossus, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un jeu qui est vendu à part, mais qui a juste comme principe, bah voilà, d'être une extension payante, et mais juste rajouter du truc. Ce que j'ai compris, c'est que c'est exactement le même jeu, mais il y a juste bah, y a des nouveautés, des trucs différents, etc. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que la durée de vie, elle est assez semblable, c'est-à-dire qu'elle est... Bah si tu veux faire le jeu comme moi je veux le faire, c'est-à-dire qu'on est sur du ouais 40-50 heures quoi. Donc déjà ça veut dire que ce stalker là va prendre un certain temps que je ne pensais pas qu'il allait prendre. Parce qu'honnêtement j'ai pas envie de rusher le jeu, j'ai pas envie de rusher les jeux. Et surtout de deux, c'est que j'ai surtout pas assez de temps. Parce que comme j'ai dit, voilà, en parallèle, j'ai Indiana Jones que j'aimerais bien faire avant qu'Indiana Jones sorte en décembre. J'ai Wolfenstein 2009, la nouvelle la nouvelle série Wolfenstein par Machine Games à faire. J'ai Doom 3 que j'ai entamé. Là, j'ai Gran Turismo que j'ai entamé le dimanche. Après, le dimanche, c'est son cas à part, mais le dimanche est réservé pour l'instant à Gran Turismo 1. Puis après, il y a le Spec 2 mode qui va sortir. Donc, j'aimerais bien attaquer avec Gran Turismo 4. Bref, tout ça pour dire que, en fait, genre. Bah. J'arriverai pas à glisser les trois jeux, et en fait le truc c'est que je ne joue pas et je ne stream pas genre assez pour me dire que j'aurai cette possibilité de le faire, faut juste être honnête. Donc je préfère genre prendre mon temps pour celui-là, me dire que je le fais et que je le fais bien, plutôt que de me dire que je les rush à moitié et du coup que j'ai pas vécu l'expérience complètement et que du coup bah... avoir des regrets derrière ou alors me prendre des commentaires un peu négatifs derrière, ce qui serait compréhensif, hein. Je veux dire, il n'y a rien de plus frustrant de voir des gens qui font mal le jeu et puis après le critiquer, c'est vraiment relou. Donc du coup, pour compenser, ce que je peux faire, parce qu'on m'a parlé à plusieurs reprises de... On m'a parlé de Gamma et j'ai entendu parler aussi d'Anomaly. Donc là, je suis en train d'aider du coup mon cher ami qui va me dire des infos, qui nous a dit des infos par rapport à Strelok. Donc ouais, on m'a parlé de Gamma, j'ai entendu parler d'Anomaly. Ce qu'on pourrait faire éventuellement pour compenser le fait que je vais pas faire Clear Sky et Call of Ripiad, c'est éventuellement attaquer à Gamma et Anomaly. Faire pendant quelques temps ça, et puis après, genre... m'attaquer à Stalker 2 dès qu'il sortira. Après, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a aussi F14 qui est le premier patch va sortir, donc j'aimerais bien y aller, donc il faudra que je glisse ça aussi en partie. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais dans tous les cas, une chose qui est sûre, c'est qu'en fait, je ne ferai pas Call of Ripiat ou Clear Sky tout de suite. Je les ferai après. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est en attendant genre les premières extensions, parce que je sais qu'il y aura des extensions pour Stalker 2. On peut éventuellement se glisser ça à ce moment-là, mais... Et du coup voilà. Donc là oui, on a aidé le marchand et en fait, enfin le marchand Fox. Et en gros, il nous dit qu'en fait c'est surtout son frère qui a eu affaire à Strelok, mais que son frère est dans le bar à Stalker, qui est un peu plus loin dans une autre zone. Parce que ouais, ce jeu c'est pas un open world, hein, même si vous en avez l'impression comme ça. En fait, c'est un système de zones, donc on a un chargement dans les zones, etc. Et comme ça, après on peut passer dans une autre zone et tout ça, bref, donc voilà. Donc là, il y a toujours cette histoire de représentant de commerce. Alors, faut savoir que vu que j'ai mouru, le représentant de commerce a changé d'endroit. D'ailleurs qu'en fait, il y a une petite partie en fait RNG, j'ai l'impression, dans les objectifs de quête, qui sont peut-être pas forcément au même endroit, etc. Et de ce que j'ai compris, c'est que Gamma, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'en fait, genre, on peut se créer un personnage avec un background, on peut venir d'un certain gang, on peut se donner un certain arsenal au début, etc. Et genre faire le mode histoire ou avoir des objectifs précis dans le monde. Si j'ai bien compris, c'est bien ça, Gamma. Anomaly, c'est juste un mode pack pour rendre le jeu plus beau. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Mais vous en faites pas, je vais faire Anomaly, je vais faire Gamma, comme je vais faire Clear Sky et Call of Pripyat.
C'est juste que j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de faire les choses bien, et voilà. Donc là, je cherche le moyen d'aller dans ce coin un peu secret. Donc là, ça c'est un petit artefact qui est par terre, que je vais hésiter à ramasser parce que j'ai peur de tout maintenant, donc du coup je sauvegarde avant de faire quoi que ce soit. Mais du coup voilà, c'était juste pour prévenir déjà par rapport à ça. Et puis comme ça voilà, vous êtes au courant, parce que c'est vrai que j'avais dit que je les ferais. Mais... Donc c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'en fait les caisses elles se cassent, et qu'en plus de ça on peut les casser avec notre poids. Donc du coup c'est pour ça qu'après faudra que je fasse le tour d'absolument toutes les caisses pour comme ça pour les ouvrir. Comme je l'ai dit à l'épisode 1 en fait, c'est je vais m'en rendre compte plus tard, et bah ce plus tard c'est maintenant. Plus de ça c'était chiant là pour redescendre. Alors là du coup j'ai pas compris. Parce que je vois revenir pour toucher la récompense qui apparaît comme ça sans... Bah j'ai pas compris. Je vois que l'objectif de quête a disparu. Du coup là je vais m'apprêter à vérifier dans mon journal. Parce que je vais être là en mode mais what the fuck. Et je me rends compte qu'en fait genre... En fait le gars, vous savez le gars que je devais chercher là qui vendait de la camelote, qui je vous ai dit là qui a changé de place et tout ça, bah en fait il est mouru. Voilà, il est mort tout seul, et du coup bah le jeu nous dit bah écoute le gars est mort, donc viens toucher ta récompense. Donc voilà, la quête de merde où j'étais en mode ouais il faudra que je me penche là-dessus après, bah au final elle s'est faite toute seule, donc Stronks, je présume. Et puis voilà, je soupçonne que c'était un des deux là d'ailleurs. Mais le truc c'est que je vais encore tomber sur des méchants. Juste là, voilà. Donc, dites en commentaire si vous pensez que je vais mourir ou pas. En tout cas, franchement, alors déjà, parce que là on va arriver à la fin, hein, je vais juste me taire et puis après ça va reprendre. Encore une fois, hein, vraiment toutes mille excuses par rapport à ça. Là maintenant j'essaye de faire genre vraiment attention. Après genre en fait, vu que je suis en train de resetup tout mon Twitch et tout mes OBS et tout, genre je change absolument tout, genre la qualité, du coup je remets du multi-streaming, je change ma présentation, par rapport à pour que ce soit plus beau, etc. Je change mes réglages pour que ça colle bah du coup à YouTube et à Twitch. J'ai essayé pendant quelques temps des trucs supplémentaires, faut que je configure mes stream decks, enfin... C'est beaucoup de changements, etc. Donc c'est pour ça que genre il y a des trucs qui sont un peu pas parfaits. Et bah, genre par exemple, ça c'est un des trucs que j'ai à corriger, c'est-à-dire qu'en fait j'ai mis mon GoXLR rouge pour qu'il soit en raccord avec mon clavier qui est rouge et ma souris qui est rouge. Mais PTDR en fait, genre c'est quand j'appuie sur le bouton mute, bah, le bouton mute il devient rouge. Juste plus rouge en fait. Donc je vois pas la différence en fait quand je suis mute ou pas, donc il faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Maintenant je regarde deux fois en fait avant de commencer à ouvrir ma gueule. Donc là c'était un petit peu la warzone, hein. C'était un peu la zone de guerre, et du coup je viens de dire ah je vais me planquer là, ça m'a l'air safe, et je tombe sur ces affreuses choses là. Ça va, elle meurt assez vite, mais putain sur le coup ça m'a fait un mini jumpscare. C'est vraiment dégueulasse en plus. Par chance ça meurt vite. En plus de ça je crois que c'est la bête qu'il faut que je tue pour récupérer le loot là pour la quête que j'ai à faire. Donc c'est prévu qu'il faut que je retourne là parce que bah sadly en fait j'ai pas drop ce que je voulais drop. Et là, alléluia, on a drop un double canon. Ça change la donne, en plus c'est un canon scié donc... enfin une nouvelle arme. Même si on va pas beaucoup s'en servir parce que bah c'est close range et pour l'instant close range bah, j'ai pas vraiment d'intérêt, mais au moins on a quelque chose. Bon du coup je vais m'arrêter là parce que là du coup j'ai quelqu'un dans le chat qui va me dire que j'ai pas de micro et je le remercie. Encore désolé, comme j'ai dit le but c'est surtout de m'améliorer, c'est surtout d'améliorer la qualité pour que ça soit le plus présentable possible et pour que ça soit le plus beau possible aussi sur YouTube hein, donc voilà, et sur TikTok et mes réseaux. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine pour plus d'aventures sur Stalker. De toute façon, de mon côté, j'ai prévu de continuer dès demain matin en stream. Et puis je vous dis
À plus. Bisous. Oh, depuis tout à l'heure. Oh, sorry. I said hello, how are you? Wow. It's been a very long time that my mic is off. I'm so sad. But it's okay. Oh. Oui. Du coup, j'ai peut-être la possibilité d'aller chercher les trucs que j'ai envie de chercher. Attends. J'ai l'impression que... Too much. Ouais, c'est tombé. Ok. Oh mon dieu, ils sont là. Ah non, c'est des... Neutres. Ok. Il est où le morue? Oh, il va courir, il va se barrer. Eh, hey, pas plus. Ok. Résine. Ah, ok. Ok. J'allais dire, il avait pas une arme automatique, lui. Merde.
quoi ça. Là j'ai deux quêtes qui sont là, Cérine et les documents. Et encore les documents, faut que je passe deux secteurs. Mais j'ai des quêtes là. Parce que ça c'est des quêtes que genre j'ai le temps de faire, tu vois. Donc j'ai envie de me dire que. J'ai envie de me dire que je reviens en arrière pour du coup genre rendre déjà les quêtes que j'ai. Donc ouais, je vais revenir. Je vais revenir en arrière et on va. Ah, je suis dégoûté par contre pour mon micro. Ça fait déjà plusieurs fois que ça m'arrive. Ça fait chier quoi. Bon, on va sauvegarder. J'imagine que je cours plus vite si je dégaine rien. Faire. Deux gars. Bon. Il faut vraiment une combinaison qui est genre à l'aise pour la radiation quoi. Un peu. Ah merde, c'est vrai, du coup, faut que je repasse. Aïe. Ok, donc quand tu cours, tu régènes pas ta truc, ta stamina. Mais c'est quoi ça en fait? Je sais même pas c'est quoi ces trucs. Qu'il y avait un passage ici. Voilà. Évite de donner mon fric à ces connards.
deux fois. Ta gueule, laisse-moi parler. Ah. Marre de ça, c'est mon claque, t'es foutu. Order 1-2. Oui, bah je vais me chercher une protection, justement. Les RAL Q2. Q2. Attends. Pour le moment, il n'y a rien. C'est quoi ça? Aha. Oopsie. Yes. Voilà. Alors du coup, ça il est en bon état, mais j'ai pas de balles. Veste en cuir, veste de bandit. Je peux vendre ça? Ok. Un texte, contact du corps. Mission 919. Ah,
9-18. Ok. Est-ce qu'il y a du 9-19 qu'il a lui? 9-18. Combi de Stalker. Oh, elle est chère. Elle est chère, elle est chère, elle est chère. Ok. Pas mal. Bien joué, mon gars. Ok. Bon. Alors, du coup, j'ai quoi à faire? Bon. Bon, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais. Alors quoi? J'ai un truc à lui rendre? Entre Strelok, la queue, l'artefact morceau de viande. À choix. Ok, donc il y a plein de lectures à faire. Oh, ça me dit qu'apparemment j'ai quelque chose à faire ici. Nez de bandit à la décharge. Qui okay. Éliminer le nouveau stalker. Ok. Ah, ok, c'est ça. Bon. Oh, c'est en QWERTY. Ok, c'est bon, je suis là. Ah.